J'espère que vous allez bien, bienvenue dans un nouveau vlog. Je pense que ce matin, je vous ai même pas parlé, j'ai juste filmé des petits bouts. Déjà dans le mois de juin, ça va vraiment vite. Fait que dans le fond, ce matin, on avait des problèmes de plomberie en dessous de la roulotte. Fait que il a fallu qu'on fasse venir un plombier pour qu'il vienne comme réparer le tuyau. Fait que dans le fond, notre... En fait, ce qui se passe, c'est que notre sortie d'eau extérieure, fait que si on voulait comme faire des jeux d'eau avec Léo ou n'importe quoi, a été brisée, elle a comme éclaté cet hiver, fait qu'il a fallu la faire changer. Fait qu'on a passé l'avant-midi dehors, plombé les avalés dehors, puis je veux pas parce que le trou est pas fermé encore pour aller toute la maison. Fait que c'est ça, là, on a préparé les enfants, sont allés dehors, puis moi je m'étais fait un café style Starbucks, en fait, là, vous l'avez vu, mais je m'étais gardé un petit truc transparent. Un gobelet transparent qui donne quand tu t'achètes pour faire comme... c'est vraiment psychologique là, mais moi on dirait que quand que je prends de quoi comme... mettons, quand mon verre est beau, je trouve que mon breuvage est meilleur. Fait que c'est pour ça que j'aime ça avoir des belles tasses, des beaux verres ou quoi que ce soit. Puis là, François, ça me trouve vraiment bizarre, puis ça se peut que vous me trouviez vraiment bizarre, mais c'est ça. Fait qu'un matin, je me suis fait un genre de macchiato caramel maison, puis il était vraiment bon. Puis là, dans le fond, il est 1h45, puis Léo fait sa sieste, puis Abby aussi adore en même temps. Fait que ça fait comme un petit repos. Fait que c'est ça. Puis là, je vous avais montré que j'avais mis ma belle chemise blanche d'H&M que j'avais achetée. Puis là, j'étais comme en short aussi. Fait que j'ai mis ça. Puis je l'aime vraiment, vraiment, vraiment. Elle est comme pas trop, trop chaude. Fait que ça fait vraiment bien. Puis je voulais vous montrer... là, Abby a fait sa sieste, là. Fait que c'est la musique que vous entendez. C'est la musique de sa chaise, là. Mais dans le fond, j'ai acheté cette chaise-là sur Marketplace hier. Dans le fond, on a cette grosse chaise-là que mon ami m'avait donnée qui berce. Abby aussi, elle fait de la musique. Ça tourne. Mais on dirait que toutes les fois qu'on met Abby dedans, genre, elle pleure. On dirait qu'elle l'aime pas. Fait que je me suis dit qu'en reprendre une vibrante comme ça, puis ça fait de la musique quand même. Je la trouve vraiment belle, puis propre. Fait que, tu sais, mettons, elle fait de la musique. Mais sa musique est fermée. Puis, elle vibre aussi. Fait que ça fait vraiment bien. À date, elle l'aime quand même bien. Là, sa tête est tout... Je pouffe. Fait que c'est ça, ça fait... À date, ça fait bien. Là, on l'a depuis hier. Puis, tu sais, elle a été dedans hier soir, ce matin. Puis, en plus, c'est comme... Elle fait comme boum boum. Je sais pas comment dire, là. Mais je peux mettre mon pied, puis juste comme la shaker aussi. Mais nous, non, tu vas pas dehors. Fait que ça fait vraiment bien. Sinon, c'était ça, le planning, là, cet après-midi, après la sieste. Je crois qu'il faut monter... Alma chercher le 4-3 Francis parce qu'il est allé le porter là, comme deux jours. On est mercredi. Ouais, il est allé le porter lundi pour faire l'inspection puis l'entretien. Parce que bientôt on va pouvoir monter au chalet. Là, mais que je sois comme. Mais que les chemins soient plus beaux puis que moi je me sente vraiment mieux parce que ça fait quand même juste deux semaines. Ben, on va pouvoir commencer à monter au chalet pour faire du 4 roues. Francis et Léo vont pouvoir monter avant moi. Mais si on voulait faire l'entretien, puis là ils ont appelé pour dire que c'était prêt. Fait que probablement, là, dépendamment comment Francis s'y. Il file, il m'a dit qu'il voulait qu'on y aille, là. Mais après la sieste de Léo, on devrait partir. Puis aller le chercher. J'aimerais peut-être aller me chercher une slush en même temps, mais c'est ça. Fait que... Oh,
Fait que c'est pas mal ça pour le petit début de vlog. Je vous avais pas encore dit hello, fait que c'est ce que je fais là. Fait que bref, je vais vous laisser là-dessus. On va sûrement s'en reparler plus tard. Là. Moi, je ne sais pas trop ce que je vais faire. Bon matin, je suis avec mon sel, fait que je sais pas si vous allez m'entendre. On a Léo ici. Qu'est-ce que tu fais? Il y a du sable dans ta voiture. C'est pas grave. Fait que on est le lendemain. Finalement, hier, le planning, c'était pas pantoute ce qui s'est passé. Quoi? Tu peux le mettre dans le sable, oui. Ça s'est pas pantoute passé comme on souhaitait. Finalement, Abby, elle a eu beaucoup de bobos à son bedon. Fait que on n'a pas été chercher non plus le 4 roues. Finalement, Francis, il fait changer son fumoir parce qu'il est brisé. Fait que là, ce matin, il est parti à ses rendez-vous. Puis je suis seule avec les deux enfants. Je suis déjà dehors. Il est 7h45. On a une van qui a arraché un fil là, pas trop loin d'ici. Fait que on a du courant, mais on n'a plus accès à la télévision. Fait que moi qui voulais me reposer ce matin. Eh bien, je me suis pas vraiment reposée, mais on a quand même passé une très belle nuit. Là. Abby, elle a bu à 9h15 hier. Elle a clenché jusqu'à 2h20 cette nuit. Elle a rebu à se recoucher, puis ça a été à 5h30, 6h ce matin. Fait que c'était quand même super bien. Mais je voulais quand même me reposer en mettant un petit film un matin à Léo. Là, j'avais commencé le petit Stuart, puis il aimait vraiment ça, mais c'est ça, on a perdu de la TV. Fait que j'ai décidé de prendre mon café dehors pendant que monsieur joue dans le sable. Abby est en avant de moi dans la poussette. Je profite du soleil un peu pendant que Francis n'est pas là. Ça va me donner un avant-goût de mes journées quand il va recommencer à travailler. Mais bref, c'est ça. Fait que là, il est parti faire réparer l'air clim parce que notre air clim de char, elle fonctionne pas même si notre char est neuf. Fait que on est bien heureux d'aller la faire faire réparer. Puis il va aller chercher le 4 aussi. Fait que ça va être ça. Aujourd'hui, j'ai aucune idée qu'est-ce qu'on va faire. S'il fait plus chaud après-midi, on va jouer dans l'eau. Sinon, ben. Ça va être ça. Puis là, ils vendent beaucoup, fait que je vais arrêter de filmer. Fait que sinon, je vous en parle tantôt! Hello! Fait qu'on se retrouve un petit peu plus tard. Abby a fait dodo sur la table. Oh! Je sais pas ce qui est tombé dans la douche, là. Il y a quelque chose qui est tombé. Fait que finalement, aujourd'hui, ça a vraiment bien été. Finalement, ce matin, pour l'auto, je pense que je vous l'ai dit, Français avait été faire au rendez-vous pour l'air climatisé. Ils n'ont pas trouvé c'est quoi le problème. Fait qu'on a un autre rendez-vous la semaine prochaine. Puis on est vraiment off parce que on vient de louer l'auto. Genre, il est neuf. Puis l'air clim marche pas. Puis on s'entend que l'été, dans un auto, t'aimes ça avoir l'air climatisé. Fait que bref, c'est vraiment plate. Mais là, quand c'est arrivé tantôt, il a décidé de partir faire du 4 roues avec Léo puis aller pêcher. Fait que j'ai passé l'après-midi seule avec Abby. Ça m'a vraiment permis de me reposer. En vrai, je me suis pas tant reposée. Je l'ai stimulé un peu les fois qu'elle était les fois qu'elle était réveillée. Puis sinon, ben, je suis allée dehors me faire bronzer parce que j'en ai profité. Tandis que j'ai juste un bébé à m'occuper, c'est vraiment moins pire que m'occuper de 2 ans, selon moi. Fait que là, les gars sont dans la douche, on les entend parler. Puis je vais vous montrer quelque chose aussi pour la douche parce que je sais pas pour vous, mais moi, Léo, il aime pas tant ça prendre la douche. C'est comme, rendu dedans, il aime ça avec Francis, il s'amuse, mais comme, pour y aller, il aime pas ça parce que finalement, il vient que il a froid, tu sais, parce que la pomme de douche est haute, puis il aime pas ça se faire mouiller, genre de haut, en tout cas, il aime pas dans ça. Puis Francis, il a acheté un truc sur Amazon, genre une comme de, un accrochoir comme qui colle sur le mur, là, pour mettre la pomme de douche, fait que je vous montrerai des images, puis là, ça, tu sais, il va comme pouvoir avoir la pomme de douche sur lui, fait qu'il va avoir moins froid, peut-être que ça va être moins pire parce que il aime ça prendre des bains, mais des fois une douche c'est vite fait, ça fait bain pour la routine pis tout. Comme là, vu qu'ils sont allés faire du 4 roues, ils étaient tous comme sales, poussiéreux, fait qu'une douche ça fait bien. Fait que c'est ça. Finalement, elle me dit, j'ai pris ça vraiment mollo, là, j'ai même pas filmé rien depuis ce matin, là, j'ai passé presque la journée dehors, mais ça l'a fait du bien. Parce que d'habitude, je me dis, je vais aller dehors, puis je fais comme 10 000 choses, puis finalement, ben, j'ai pas le temps de rester dehors. Fait que c'est ça, c'était vraiment une meilleure journée que hier aussi, fait que. Ça fait vraiment du bien. Il y a des journées plus rough que d'autres. Mais c'est ça. Fait que là, dans le fond, je viens de préparer le souper. Dans le fond, on va manger du poulet sur le barbecue comme presque tout le temps. On mange souvent du barbecue. Fait que je me suis fait une papillote de patates puis une papillote de chou-fleur. Francis, quand il va sortir, il va partir le poulet. Puis pendant que je préparais ça, je me suis pris une bonne petite eau pétillante alcoolisée Coors. Puis je sais, il y en existe plein. L'année passée, je prenais de la White Claw. J'aimais vraiment ça aussi. Je pense qu'il y en a plein de sortes. Il y a Shape qui en font. Il y a... C'est ça, il y a comme plein de sortes
de Seltzer, qui est une eau pétillante. Puis vu que vous savez qu'on aime beaucoup l'eau pétillante, ben j'en aime beaucoup. Puis ça, c'est comme la caisse de nouvelle sorte. Parce que l'autre caisse qu'ils font, c'est des sortes un peu normales qu'on voit souvent. Mais dans celle-là, il y a genre fraise, pêche. Là, j'ai pris punch aux fruits. Pêche, je l'ai pris hier, elle était vraiment bonne. Sinon, il y a framboise bleue aussi. Je pense que c'est les quatre sortes, ouais. Fait que je me suis pris ça, puis là, j'ai envie de manger des chips au ketchup. Les Miss Vico ketchup qu'on avait acheté il y a un petit bout pendant que Léo est dans la douche. Parce que d'habitude, là, il veut tout le temps tout me voler qu'est-ce que je mange. Fait que là, j'avais une petite fringale. Puis là, si je me mets à manger ça, c'est comme « Maman, j'en veux! » Puis là, si je dis non, c'est vraiment pas parce que je mange en face. Mais si elle mange, j'y soupera pas. Fait que bref, c'était ça ce qu'on a fait aujourd'hui. J'avais rien de vraiment palpitant. Fait que là, à soir, ça va être ça. On va manger, puis ça va être la routine du dodo, puis tout, puis tout. Puis on va recommencer la même affaire demain. Là, le soir, sérieux, on n'a pas tant de temps en amoureux. C'est comme là où est-ce que c'est plus difficile. Ben, pas plus difficile avec Abby, mais comme... C'est ça, tu sais, on a comme la routine du dodo avec Léo. Là, Léo va se coucher, on donne le bain à Abby. Moi, je donne un bain à tous les soirs. J'avais fait ça avec Léo, puis ça l'aide vraiment pour que... J'avais fait ça avec Léo, puis j'avais vu sur Internet, quand j'avais pris ce truc-là, qu'elle apprenne qu'à toutes les fois qu'elle prend un bain le soir, elle sait que c'est parce que c'est le soir, puis bientôt ça va être la nuit, puis qu'elle différencie le jour et la nuit. Malgré qu'en ce moment, ça fait vraiment bien, là. Elle fait comme des 5-6 heures la nuit, elle se réveille comme une à deux fois. Puis le jour, ben c'est ça, elle boit comme aux 3 heures, des fois 2 heures, des fois 4 heures. Mais on lui donne tout le temps un bain, puis une journée sur deux, c'est avec du savon, parce que je sais qu'il faut pas, je pense c'est aux 2 jours. Fait que, tu sais, comme, mettons, hier, je l'ai pas lavé, je l'ai juste mis dans l'eau, puis elle aime vraiment ça, ce qui est très différent de Léo. Léo, c'est tout le temps la crise dans le bain, là, il pleurait tout le temps. Pleurait le matin, elle pleure avant, je la mets dans le bain, puis comme, elle est vraiment calme. L'autre fois, je la lavais, puis elle était comme en train de s'endormir. J'étais genre, voir, là, tu t'endors dans ton bain. Puis elle, c'est ça. Fait que, dans le fond, tous les soirs, on lui donne un bain. Fait que ce soir, ça va être un bain avec savon. Fait que ça l'apaise, après ça, tu sais, on va comme la coucher, mais souvent, quand que nous, on va aller se coucher, là, elle est comme, les yeux de même, puis comme, je suis contente, je suis réveillée. Fait que c'est comme si elle, sa nuit commence à partir de 2h jusqu'à 10h le matin au lieu de partir, mettons, le soir jusqu'au matin. Mais c'est pas grave, là, tu sais, on fait quand même des belles nuits. Genre, hier, on l'a couché à le but à 9h15. On l'a couché vers 10h. On l'a couché à 10h. 10h15, 10h30, elle s'est réveillée. Fait que je l'ai bercée, je l'ai recouchée. Elle a flayé jusqu'à 2h20 à le but, j'ai recouché. Puis ça a été à 6h le matin. En même temps que Léo, environ. Fait que bref, c'est ça. Fait que ça va quand même bien. Fait que là, à soir, ça va être la routine, c'est ça, bain, lait et tout, le tralala. Puis, c'est pas mal ça. Fait que là-dessus, ben, je vais manger ma chip parce que là, j'ai pas encore mangé de chip, ils vont bientôt sortir de la douche. Puis, on va peut-être s'en parler. On va peut-être s'en parler demain. Mais dépendamment de ce qu'on va faire parce qu'il annonce de la pluie, fait que ça va sûrement être très mollo. Puis, c'est pas mal ça. Fait que, on s'en parle demain. Bon matin! Fait qu'on se retrouve, je pense, deux jours plus tard. On est le 4 juin, c'est samedi. Francis est déjà parti à l'épicerie, il est 10h30. Là, Abby, je l'ai déposé, mais je pense que j'aurais pas beaucoup de temps. Fait que, dans le fond, j'ai comme pas vlogué depuis, je me souviens pas quelle journée, parce que là, il pleut tout le temps, fait qu'on fait comme presque rien dans la maison. Mais dans mon dernier vlog, je vous avais dit que j'avais commandé chez Patpat. Eh bien, j'ai reçu ma commande. Puis pour de vrai, je suis vraiment pas déçue. Dans le fond, ma belle-mère, elle avait déjà commandé des vêtements pour mon neveu. Puis c'était quand même fait grand. Fait que je savais que les vêtements sont... Selon moi, je pense... Ben, il y a peut-être un morceau que je pense qu'il va y faire là. Mais tous les autres morceaux, là, j'ai pris du 0-3 mois, puis tu sais, ça pourrait être comme du 3 mois, 6 mois, mettons. Genre, je trouve que les grandeurs sont faites grandes, en tout cas, de ce que j'ai là. Même les bandeaux, parce qu'en fait, j'ai commandé 3 kits, puis des bandeaux, genre, tu sais, il y a des tailles uniques, là. Mais sont quand même faites grands. Mais je suis vraiment pas déçue de la qualité pour le prix, là. Les bandeaux m'ont coûté... Dans le fond, j'ai 10 morceaux, puis dans les ça m'a coûté, que je pense, 35$. La livraison, ça a duré... Ça a été juste 2 semaines. Puis, c'est ça. Dans le fond, les bandeaux m'ont coûté comme 3-4$. Je pense que les kits, c'était comme 10$. En tout cas, c'était vraiment pas cher. Fait que je vais vous montrer ça avec... je vais vous montrer ça, en fait. Je les ai toutes regardées parce que ben je pouvais comme pas m'en empêcher. Mais c'est ça. J'aime vraiment ça. Fait que, en fait, j'ai regardé premièrement pour acheter des gros bandeaux parce que, mon Dieu, que je trouve ça beau. Des bandeaux avec des grosses boucles. Genre, attendez, là. Tu sais, des grosses boucles de même, là, dans le front, là. Fait que, tu sais, c'est des gros bandeaux comme ça, mais tu sais, ils sont ajustables, oui, mais
sais, je serais pas capable d'en faire une aussi belle boucle, là, selon moi, là, je vais avoir de la misère. Mais je les trouve vraiment beaux. Puis dans le fond, celle-là, je l'ai pris dans le rouge. Je m'en viens. Je l'ai pris dans le noir. Tu sais, hier, j'ai gossé avec le noir pour y essayer à Abby. Puis genre, la boucle est vraiment mal faite, là. C'est comme... c'est pas très beau. Mais bref, je vais avoir du travail à faire. Je l'ai pris dans le rouge, dans le noir. Je l'ai pris aussi dans le rose de même. Je les trouve tellement beaux. France, c'était comme, mon Dieu, que c'est laid. À cause, ils trouvent ça vraiment gros. Mais tu sais, mais elle va vieillir, avoir une plus grosse tête aussi. Puis je les ai essayés à Léo. C'était tellement drôle, là. Bref, et lui, il m'a pas trouvé drôle. Pas en tout, on va vous dire. Fait que, c'est ça, je l'ai pris dans le rose. Je l'ai aussi pris dans le blanc. Comme ça. Et pour vrai, là, ils sont tellement beaux. Après ça, je pense que c'est tout. Puis j'ai aussi, ça je trouve ça extrêmement beau. Je sais que ça fait pas à tous les enfants, tu sais, des fois c'est, ça fait pas très beau. Mais j'ai pris aussi des genres de chapeaux, là. Là c'est ça, c'est des couleurs foncées, fait qu'on voit pas très bien. J'essaie de monter la luminosité. C'est dans le bourgogne, ma couleur préférée, mais c'est des chapeaux qu'on met sur la tête avec une grosse boucle comme de même. Je le trouve vraiment beau. J'y ai essayé, puis ça y fait quand même bien. C'est sûr que là, c'est encore grand, c'est sûr, parce qu'elle a une petite tête. Puis je l'ai pris dans... la couleur, elle ressemblait pas à ça sur Internet, mais je l'ai pris dans le genre de marron. Mais tu sais, je me suis dit qu'un petit kit cute ou avec une petite veste en jeans, ça serait vraiment beau. Fait que ça, c'est pour ce qui est de la tête à Abby. Ça vient tout dans des petits sacs comme ça, séparés. Ça me fait vraiment penser à Shine un peu. Ensuite, dans les kits, oh mon Dieu, j'ai un kit que j'ai pris dans le 3-6, mais genre cet automne avec des petits souliers, une petite veste en jeans, un petit bandeau, et moi je suis vraiment partie d'un petit kit là, mais dans le fond j'ai pris un kit comme ça. Puis il est grand là, hey, c'est un 3-6 mois, c'est sûr qu'elle portera pas ça à 6 mois, ben à 3-6 mois là, elle va porter ça, à moins qu'elle grandisse énormément là, mais tu sais, il est vraiment beau, puis c'est comme un genre de petit beige comme ça, fait que... non, il est... c'est ça. Il est vraiment... faut pas long, Abby, je m'en viens. Bon, finalement, je reviens. Ensuite, dans l'autre kit, ça, je pense que c'est le kit qu'il va pouvoir lui faire maintenant. C'est un 03. Et la texture, là, est tellement belle, mais j'y ai pris un petit, genre, jumpsuit comme ça. Mais, tu sais, il est vraiment... je vais baisser la luminosité, là. Il est comme vraiment... t'sais, comme, je sais pas comment le dire. Le tissu, là, c'est comme, je sais pas, il est fluide, mais il est vraiment beau, là. Fait que, tu sais, moi, d'après moi, ça pourrait y faire. Ensuite, ça, c'est un kit, c'est sûr, ça y fait pas tout de suite. C'est un kit coton watté, bandeau. Dans le fond, j'ai un petit bandeau comme ça que je vais pouvoir faire moi-même, genre, une boucle, là. Là, pour le moment, je vais le faire juste. En tout cas, bref, c'est genre un petit bandeau comme ça. Avec les pantalons. C'est du 03. Je trouve ça vraiment grand pour du 03. Mais en même temps, la bille est grande. Fait que peut-être que ça pourrait y faire. Puis ça venait avec un coton watté comme ça. Genre, ça va full être beau, regardez. Genre, avec tout cute. Genre, oh, c'est très mignon. Puis genre, dans l'intérieur de la capuche, c'est comme ça. Fait que c'est un 03 aussi. Et mon dernier kit, et non le moindre, que je trouve tellement beau, j'ai dit à Francis, genre à Noël, là, c'est sûr, j'y commande une robe de Noël, c'est pas de temps. C'est pour vrai, je suis comme pas déçue. Autant de la texture du vêtement que. C'est ça, tu sais, je suis comme. Bref. Fait que là, ça venait avec un petit bandeau, mais dans le fond, c'est une robe. Comme ça! Elle est tellement belle! Checkez ça! Elle est toute belle! Fait que, tu sais, je me suis dit, mettons que je mets pas le bandeau, ben je peux quand même faire une petite ceinture au niveau de la taille. Je suis vraiment trop intense, selon moi. Je pense que je vous avais dit, hein, que si j'avais une fille, je voulais pas tomber dans le mood qu'éterne, puis je pense que j'ai déjà échoué cette mission que j'avais à ne pas être autant qu'éterne. Fait que, tu mettons un petit bandeau. C'est parce que c'est... quand c'est comme des bandeaux de même, là, en petit tissu, je trouve que ça se met mal. Mais, tu sais, genre, autour de la taille, ça serait pas. Fait, bref, c'est mes petits achats de Pat-Pat, mais c'est sûr que, genre, je vais recommander pour des petits kits, là, genre...
des petits kits pour les enfants, des fois, tu sais, qui sortent un peu de l'ordinaire. J'ai vu qu'il y avait des kits de la Pat Patrouille aussi. Mais bref, fait que là, Francis, ça, il est à l'épicerie, fait que... Puis j'ai demandé de me ramener un petit café en revenant. Fait que j'espère qu'il va m'en ramener un. Puis sinon, ben, si Abby coopère bien, donc si... mon Dieu, elle ne pleure pas trop. J'aimerais peut-être... comment dire... voyons, je vais-tu le dire? Je fais deux choses en même temps. Faire un haul d'épicerie, ça fait quand même un petit bout. Fait que peut-être finir ce petit vlog avec un bon haul. Fait que c'est ça. Donc je vais aller ramasser ça. Je vais aller porter ça dans la chambre à Abby. Parce que là, ça traînait sur le comptoir. Français avait vraiment hâte que je vous fasse mon haul. Puis je vais aller voir ma petite choupinette dans sa chaise. Fait que, à tantôt! Francis vient d'arriver de l'épicerie et je lui ai demandé d'aller me chercher un café chez Tim Hortons. Puis là, j'ai décidé d'essayer ce que Camille Harton avait dit sur Instagram. Fait qu'un café glacé au caramel avec la mousse d'espresso. Fait qu'on va goûter ça ensemble. Ça avait l'air vraiment bon, on dit comme ça. Fait que je voulais goûter. Puis je me suis dit que j'allais le filmer avec vous. Oh mon Dieu, mais c'est donc ben bon! Ça bat clairement un cold brew. Fait que café glacé au caramel avec la mousse espresso, c'est succulent. Fait que là, je vous montre là au d'épicerie. Donc, on va découvrir ça ensemble. Là, je sens qu'il est presque plus grand que moi. Fait que, j'ai acheté des raisins. Mon Dieu, je veux pas que le sac tombe sur moi. Des raisins. Ils étaient donc bien gros, les sacs de raisins. Des sacs. Du Philadelphia pour mes bagels. De la salade, du fromage, des bagels au bleuet, pour vrai, ce temps-ci, on aime bien ça. T'as racheté des Lucky Charms? Attends, là, je me suis fait attaquer. Des Lucky Charms pour Léo. Là, puis il y a des figurines dedans. C'est cool. Une pizza. Oh, au poulet barbecue de maïs. Des mini-go pour Léo. C'est Hugo préféré. Pause café. Oh mon Dieu, il est vraiment bon. C'est quoi, hein? Ah, du croton. De la bouffe en canne pour les menus. Les pâtes, on a des linguines, puis du spag, on était dû, on en avait plus. Un sac de patates, du lait. Ah, d'autres bouffes en canne, du Nutella, d'autres bouffes en canne. Okay. Check le chat, elle sait, hein? C'est quoi ça? Des biscuits? Dessert? Au citron. Ah, des biscuits au citron. Des biscuits Celebration. C'est tout. Trois grosses tomates. Une panoplie de nectarines. Deux cocombes. Trois kiwis. Donc là-dessus, on va tout commencer notre épicerie. Je vais prendre mon petit café. Puis je vais conclure le vlog là-dessus, comme je vous ai dit tantôt avec le petit haut. Puis je vous dis encore merci de m'écouter. N'oubliez pas de vous abonner, laisser un commentaire, un petit j'aime. Puis je vous dis à bientôt. Bye!